Ok, ça commence. Gerudo contre 0FK. Sur Battlefield. On y va, c'est parti. Gerudo qui fait ça, qui fait son habitude, game plan, qui cherche la punition, 0FK, qui réussit à s'optimiser avec un foire d'air. Gerudo qui réussit à punir son foire d'air avec ses compensateurs, le F smash qui est sorti, 0FK en désavantage. Oulala. Il a réussi à sortir des avantages. Grâce à Gerudo sûrement. L'opérateur, le back air, le forward air de Gerudo, il va renvoyer en offstage. FK qui meurt jamais en offstage, qui réussit toujours à revenir grâce surtout à une bonne idée de Gerudo. Grâce à ça, il sort sa Pyra. Pyra offstage, c'est un peu risqué. Alors, il va reprendre Pyra. Attention. Le Don Smash qui réussit à gagner un premier stock. Sauteur, nerf, faire. F smash 40%. Ça faille le tuer. Le Biotoxin ne tue pas. On combat le neutral B. Le très très bien tenté avec le B, mais ça peut plus, marcher le Sagi. Oulalalala. Là, il ne faut pas abuser aussi. Tac, des petits coups comme ça, des petits kickbacks par-ci. Tout ce que tu veux, tac. Oula, ça boit un peu là. Là, ça boit un tout petit peu. Voilà, là il compte trop de choses, peut-être un kill. Oui, le forwarder qui a tué, à 130. Si tu te pètes des titres. Hop là, le forwarder qui a été trouvé. Ce que j'adore, c'est que Pyra sort toujours des situations d'avantage avec Pyra. Ça, c'est incroyable. Oula! Le Force Smash trouve l'Eshgar qui a été moyen. Dante tout le Trabi. Oh! C'est un 2 stock. Ah oui, je fais des trucs. Allez, Ah. Oh là là, une Pythina. Noir en plus, Fightina contre Pyra, c'est parti. C'est vraiment un match rempli de boxe, genre juste Little Mac ou Shake, t'as vraiment peur. T'as vraiment peur si tu joues contre eux avec ces persos là. Ça a tout fait du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces persos? Ces persos sont trop forts et ces joueurs aussi sont trop forts. Oulalalalalala, notre habit a été fait. La situation de Deshgard n'a pas été réussie. Gerudo est mis en Deshgard. ZOFK va le tuer à Cam. Oh, ça va le tuer. Ça va le tuer, voilà. Le Sabi qui a été trouvé et qui a tué. Faire. Tout ce que tu veux. C'est hitbox de partir par là. En tout cas, ce qui est bien, c'est que Pythona a de la priorité. Et en plus, il faut se rapide, ce qui est pas le cas avec Mars. Mars a la priorité, beaucoup de priorité, mais quand même, c'est cool. Quelques coups avec Mars qui sont utiles, pour mettre en tech chase, ils sont rapides, mais certains coups sont pas rapides du tout pour tuer, surtout c'est difficile à placer. Ah, par contre, oui, il y a une stock qui a été perdu là. Qui a perdu un stock. Ok, le père peut-être. Oui, le père qui a tué. C'est bon, le père. Tac. Le Witch Shine. Le
Power Shine, etc. Le dumpy, le dumpy, le dumpy était tout notre habit pour le keep. Le nerf, attention, nerf, tout ce que tu veux. Mais grâce à Thierry Goroto, ça passe malheureusement pas. Le père à travers le ledge, on le connaît bien, c'est pas lui. C'est douille de pas lui, faites gaffe. Vas-y, fais douille, je crois. A besoin de toi. Gerudo avec son smash qui a été mis off stage. Le fort attack a été trouvé par Gerudo. Ils sont tous les deux pratiquement à égo sur la game, sauf que Gerudo a plus de pourcents que ZoroFK. Et ok, ZoroFK qui peut potentiellement trouver une phase d'avantage avec Fightina. Sauf s'il devient dangereux pour lui, pour l'avantage, c'est-à-dire que Gerudo, si au pourcent, ça peut être pénible pour lui. Le seul qui moue à ce moment-là, ça sera un back air. Ok. Gerudo qui sait vraiment pas faire. On voit qu'il essaie vraiment de revenir du désavantage comme il peut. Dash attack. Là, ça se peut qu'avec Adonair. Ça a loupé avec Adonair. Le back air. Le F tilt. Attention, est-ce que ça va tuer? Non. Ah là. Le SD. Le SD de Gerudo. Ça fait 1-1 du coup. Vraiment des excellents joueurs, c'est vraiment des games très très serrés qu'ils nous proposent. Vraiment des games extrêmement serrés. Attention, ça va redémarrer. Je sais pas dans quelle map, ça va redémarrer. Encore sur Battlefield, sur SBF maintenant. Son Python a une priorité, faites gaffe, 57%, même s'il était aux avantages, elle a réussi à gagner 55%. Attention, là Gerudo veut vite la tuer parce qu'il sait très bien que Python a, dans les autres games, ça la fracasse avec ses priorités, qui remontent. C'est pour ça qu'il prend directement Pyra Mitra, Oh là, je pense vraiment que c'est ça. Fightina est à 101%. Ah, le Trabi, je pense vraiment qu'il allait punir le Trabi, mais pas du tout. Attention, 114%. Attention. En edge guard. Ça tuera pas. Et là, ça tue. Le Saidi qui a donné raison. Le Forshine, encore une fois. Forshine qui est très très utile, si on rappelle. Bon, je pense que tout le monde le savait, mais quand même, je vous rappelle. Ah, attention, les avantages. Va-t-il avoir peut-être une énorme dinguerie? Peut-être un 0 to day, j'en sais rien. Tac. Back air, tout ce que tu veux. Pitra, c'est ça. Hop là, F-Smash, 64%. Back throw. Encore dans les avantages. Il veut rester dans les avantages. Tout parce que, Pitra, ça peut la démonter à 20% seulement avec un back throw, tout ce que tu veux. Ça peut démonter. D'abord sur le backer. Le down tilt l'a tué. C'est comme surprenant qu'un down tilt tue avec Paizuna. Bon, je pense que c'est con parce que le build était à 124. Il faudrait un moins tuer. On voit vraiment que Gerudo a changé clairement stratégie. Avant il prenait Pitra et la main il prend Pyra. Full game Pyra. Je pense surtout qu'il a plus de priorité avec Pyra. C'est pour ça qu'il la prend. Et c'est vraiment, ça marche extrêmement bien. ZFK qui a pas du tout plus de priorité qu'elle à cause de sa longue portée. Surtout que c'est qu'on fait beaucoup plus mal. Le FTK a été trouvé. Qui arrache la stock, bien entendu. Attention, les avantages avec Gerudo, mais qui réussit quand même à se sortir. Dash attack, nerf, fer, là il retreat forcément. Là ça peut être, j'ai failli dire ça peut être très dangereux, mais non, c'est bon. Ah, attention,
une erreur, il peut l'atomiser, et là il reprend Pyra, et là c'est la boucherie. Ça va très très dur. Ça va très dur pour 0FK. Qui peut. Ah, j'ai rien dit. Igno, là je suis rappelé que c'est Even, ça va assez even. Oh là, voilà, c'est Wolfka qui peut avoir l'avantage sur les pourcentages s'il joue extrêmement bien. Je me rappelle que là il a pris Pyra et à chaque et au début de la game, jusqu'à la game en fait, ben, il galérait beaucoup avec Pyra là. Attention. Wolfka qui essaie de read avec des side B mais qui marche pas. Le faire. Qui les met vraiment dans cette situation horrible. Le Tata qui marche pas, le FT qui me remarche, le Trabi, mais ça ne touche même pas en fait. Ça touche pas du tout. Le Forward Air qui remet dans cette situation d'avantage. C'est très très dur pour 0FK. Et c'est la mort de 0FK. De cette game. J'ai oublié de mettre BO5. Dernière game, peut-être. On commence à game 4. Alors, attendez, je vais faire ça. Là. On repart sur SBF encore une fois. Attention, ça va être très très vite. Je rappelle que depuis tout à l'heure, la game, les avantages et les désavantages défilaient très très vite devant nos yeux. Ok, 0FK qui joue beaucoup plus avec les priorités, il joue beaucoup plus sur l'agressivité de ses priorités. Ce qui s'est pas trop avant. Ça a marché un petit peu. Ah non, c'est ça. Ah oui, mince. Désolé. Désolé. Merci beaucoup. Alors, comment était-ce? Ah oui. Du coup, The Rave Car. Ouh là 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 là. Donner into up smash trouvé par Gerudo. Avantage, désavantage, on connaît tous. Up tilt, upper qui ne passe pas. Le nerf de Pythina qui ne touchera pas. Attention, avantage, désavantage. On connaît tous Pythina, on connaît tous Pyramitra. Ça peut être très 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 vite. Hop, hop là. Le side beat qui a été trouvé. Il remonte avec le B comme Superman. Le Force Smash qui touche pas, les avantages qui a pas été resté très très longtemps. Le Forward Air, non, le F-Tilt, le Trabi ça n'a pas marché parce que il attaque sur la plateforme. Oula, le Smash qui a été trouvé en Edge Guard. Ça sera assez compliqué pour les deux joueurs. Ça sera assez compliqué, je sens que le match va vraiment s'attarder sur l'avantage, les avantages. Et surtout des rides des deux joueurs. Surtout aussi quelle priorité utiliser à ce moment là. Le FTK a été trouvé. Le smash qui a pas été le donner qui a pas réussi. Le donner, le père qui a été trouvé. Là ça sera extrêmement difficile pour ZOFK qui réellement trouvera. Ça peut être très rapide comme on le dit beaucoup de fois. Je sais, mais c'est vrai, c'est la vérité. Le petit, il mise tout sur la priorité, il mise tout sur les hitbox. De ces persos et c'est bien, c'est vraiment bien. Pas possible, ça fait des paris dans le chat, ça fait des paris. Hop là, non, qu'est-ce qu'il a pas fait. Le back air et tout forward air, attention, ça peut tuer. Ah,
Ah là 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 là, quel dommage. Il est resté trop sous l'autre habit, il a oublié qu'il y avait le père de Paytina qui pouvait traverser le stage. Le side B et le SD de ZoroFK. Que Gerudo a gagné 3-1.